bienvenue. Ravi de vous revoir. Oh, vous êtes vivant. Bien joué. Vous devez être affamé. Je peux vous renseigner, peut-être. Vous pensez être à la hauteur? Faites attention à vous. Je meurs de faim, moi. Bon, c'est le moment. Prompto, on y va là. J'arrive. Ah, on est bien là. Ouais, c'est sympa comme endroit, mais j'aimerais pas y vivre. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir le ciel en guise de toi? Ah, ouais, je comprends. Tu devais te sentir à l'étroit en ville. Je rêve ou tu te moques de moi? Ah! On a trouvé ce qu'on cherchait! C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Je suis prêt. Le prince des tueurs. Merci. Qu'est-ce que je fais? Prends-toi! Tu tiens coup? Cette fois, ouais, la toujours peur va changer de camp. Bien joué, Prends-toi! Normal! Yeah!
Gacho, vas-y! Prompto! Cette fois, la peur va changer de camp. Bien vu, Gacho! C'est bon. Adieu. Je te tiens! Je suis prêt! Allez! Ouais, ça marche! Prends ton, tu sers! Que coup! À l'attaque! Joli travail! Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ravi de vous revoir. Alors, vous avez choisi ? Des infos sur la région ? Vous avez fait votre choix ? Merci infiniment. Joe, j'ai vu un soldat Magitech. Ils font peur, ceux-là. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais. Luna Freya de Tenebrae a officiellement commenté la signature du traité de paix. C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait et qu'un accord de paix avait été trouvé. Ce sera un véritable honneur pour moi de sceller cette alliance pacifique entre nos deux nations avec mon propre mariage. Je suis consciente que ce changement peut être une source d'inquiétude. Mais oracle je suis et oracle je resterai. Je tiens à vous rassurer. Ce mariage n'affectera nullement ma vocation. Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages, comme je l'ai toujours fait. Je continuerai à veiller sur chacun de vous. Il semble que Dame Luna Freya quittera prochainement Tenebrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Et donc le mariage est dans le traité ? Bien sûr, une simple formalité. Un symbole de paix, comme ils disent. Alors c'est une sorte de mariage arrangé. La princesse semble néanmoins apprécier cette perspective. Ça déplaît pas non plus à Noct. T'as dit quoi là ? Je le veux ? Lâche-moi. Quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner. Mais derrière, c'est quoi ? C'est une montagne, ça ? C'est bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche ! Les gens viennent pas pour ça, mais pour leur massage, célèbre dans le monde entier. Et aussi, les crustacés. Leurs fruits de mer sont fameux. Ah bon ? J'ai hâte de voir ça. Noct, surtout, n'oublie pas d'acheter des médicaments. Compris.
Merci pour tout. J'espère qu'on se reverra. Waouh ! C'est spectaculaire ici ! Et cette brise est sympa. Je pensais pas que j'apprécierais autant le bord de mer. Ah ouais ? T'es capable de changer d'avis ? Bienvenue à Galdina. Nous n'avons pas le vent en poupe. Hein ? Le bateau, vous voulez le prendre ? Ouais, pourquoi ? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça ? Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi ça ? Une pièce commémorative ? Hein ? Sérieux ? Mais non. Juste de l'argent de poche. Hein ? Bon. T'es qui, toi, au juste ? Je ne suis qu'un humble voyageur. Oh. C'est ça.